bienvenue dans le Vlogmas numéro 4. On est jeudi 17 novembre, je viens de poser Inès à l'école et je suis passée à la boulangerie chercher un petit croissant, une petite brioche et une baguette de pain pour partager mon petit déj avec mon collègue préféré, puisque Quentin est en télétravail aujourd'hui. Et dans une heure, je file à mon cours de piano. Je sais pas si ça va être l'horaire définitif le jeudi matin, mais ça a l'air de se profiler comme ça. Donc ça me permet d'avoir juste le temps de rentrer, de manger souvent, de bosser genre 30 minutes et de repartir. Je vous fais une petite tenue du jour parce que je porte que des trucs que j'aime bien. Les autres jours aussi, mais aujourd'hui particulièrement. Le jean, c'est le Louisette de chez Des Petits Hauts. Il y a la petite étoile ici. Qui est très confortable, c'est un jean mom, taille haute. Alors vu que je suis grande sur moi, il est plutôt taille normale. Il est bien long, vous voyez, j'ai même pu faire un petit revers. Il est dans un coloris un peu noir brut, je l'aime beaucoup. Les baskets, ce sont des Veja en collab avec Sud Express. Je ne sais pas si elles existent encore, mais je cherchais depuis longtemps un modèle de basket un peu doré. Alors c'est pas un doré jaune, c'est un peu or rose. Elles sont absolument parfaites, je les ai en 40, donc si vous les voyez encore, elles taillent absolument parfaitement. Je les adore, elles sont bien souples. Le petit pull, je l'ai eu chez ProMode il y a 2 semaines environ. Alors il était en promo en magasin, je crois que la promo n'est plus en cours. Il a des petits empiècements de broderie anglaise ici, c'est du coton, il est hyper confortable. Je l'ai en taille L pour mon 38-40, je le voulais un peu épaule tombante en M, il allait aussi, mais je le préférais comme ça. Et le sac du jour, c'est une banane de la marque L'Ours, que j'ai eu sur le site Choose, qui est très belle mais qui est tellement petite. Je crois que c'est un sac pour enfants en fait, donc tout s'explique. Magnifique mais pas pratique. Mais elle ferait genre 5 cm de plus en longueur, elle serait absolument parfaite. Et un peu plus profonde aussi, ça serait pas de refus. Mais du coup voilà, si c'est un sac pour enfants, tout s'explique. Et pour le bandeau, bah, écoutez, inspiré par ma fille. Ce matin elle fouillait dans mes affaires, elle m'a dit « Maman, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre un bandeau ?» Donc je me suis exécutée. C'est un bandeau de chez Trinquette. Je ne sais pas si ce modèle est en vente actuellement, mais je vous mettrai les références de tout ce dont je vous ai parlé sous les vidéos. Et voilà. Je vais faire cuire un café à Quentin. Mais pas à moi, parce que moi ça me fait trembler pendant tout mon cours de piano, donc je boirai mon café en revenant. Des cartons dans les bras, mais je vous dis, il m'en faut 25 pour la Nero Libox, donc là il n'y en a pas un seul qui part au recyclage, ils sont tous entreposés au fond de mon garage. Et ben non, figurez-vous que je viens de les compter, j'en ai 24, donc il m'en manque un. Bon, dans les 24, il y en a 2-3 qui sont vraiment très très grands et un qui est vraiment petit, mais si j'en récolte encore 4 ou 5, on est bon. Bon, je file à mon cours de piano, je voulais y aller en vélo, mais il fait un temps incroyable. Il pleut comme pas possible. Donc ça sera en voiture. On te dérange ? Je viens après de mon cours de piano. J'ai un grand panier de linge à plier. Et là, j'en suis à un stade de l'apprentissage où ça commence à être bien, bien costaud. Ça me demande énormément de concentration. Ça me plaît toujours autant, mais j'ai du boulot jusqu'au cours de la semaine prochaine. Et je voulais passer à la bibliothèque parce que je me suis inscrite à la bibliothèque d'Annecy justement. Ça fait longtemps que j'étais pas inscrite. La dernière fois c'est quand j'étais ado je pense. Et je vous avais parlé sur Instagram du fait que je voulais me réabonner au magazine Society, sauf que c'est vraiment pas donné. Beaucoup de personnes m'ont dit si tu t'inscris à ta bibliothèque, enfin la bibliothèque de ta ville, tu auras forcément un accès à une appli qui s'appelle Press Reader qui permet de lire la presse nationale et d'ailleurs internationale, pas gratuitement parce que ça demande le coût d'abonnement à la bibliothèque, mais en tout cas de façon illimitée. Donc c'est ce que j'ai fait. Je ne voulais pas, en fait je voulais avoir le magazine format papier parce que j'avais pas très envie de lire Society sur une tablette, un ordinateur ou autre, mais pour 25€ en fait j'ai tous les livres de la bibliothèque, les autres supports aussi, CD, DVD, etc. La fameuse presse internationale à volonté, donc je me suis abonnée et du coup j'ai réservé quelques petits livres parce qu'en fait en stock il n'y a pas grand chose, mais vous pouvez réserver, enfin, en tout cas Annecy ça fonctionne comme ça, vous pouvez réserver sur le site de la bibliothèque des ouvrages qui vous intéressent. Donc j'en ai réservé quelques-uns, des méthodes de lecture pour Inès qui apprend tranquillement à lire. Je crois qu'il y a un livre pour Quentin aussi.
Et je reviens de recevoir un mail comme quoi les ouvrages étaient arrivés, mais en fait la bibliothèque est fermée le jeudi. Donc j'y retournerai demain. Les horaires sont un peu particuliers, sachant que c'est ma bibliothèque de quartier, c'est pas la bibliothèque qui est dans le centre-ville d'Annecy. Donc j'irai chercher ça demain tout simplement. Dans 10 minutes je pars chercher Inès à l'école. Et Miss Nala est en train d'effectuer une toilette en détail de ses pattes avant, hein, mon petit chat. Et en parlant de livres justement, vous voyez que je suis pas du tout en train de plier mon linge, je n'arrête pas de changer de sujet. En ce moment je lis Jamais plus de Colleen Hoover. C'est un livre dont j'ai entendu parler sur TikTok qui apparemment a une fin complètement incroyable, donc j'ai fait en sorte de ne lire absolument aucun spoiler pour que ça ne me gâche pas la surprise, et à tel point que j'en ai même pas parlé sur Instagram parce que je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui m'envoie un message privé en me disant ah bah au fait à la fin il se passe ça. J'ai pas du tout envie, donc je le dis parce que ça m'est déjà arrivé, genre de parler d'une série hyper intéressante, hyper prenante, et quelqu'un qui m'envoie un message en me disant ah bah au fait l'héroïne elle meurt à la fin, donc j'ai pas très envie de vivre ça à nouveau. C'est très rare hein, mais dans le genre gâcher le plaisir c'est pas mal placé, donc j'en ai même pas parlé, j'en suis à la moitié à peu près. Et objectif de la journée, avancer un petit peu dans ma lecture. Quentin est en train de jouer avec Inès, donc je prépare le repas. Ce midi, omelette aux épinards, c'est un grand classique de la maison. Les épinards en branche de chez Picard sont très 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 bons. Donc je suis en train de les faire cuire dans de l'eau bouillante juste ici. Et ensuite, des œufs. J'en compte deux par personne, normalement pour les adultes, et un pour Inès, mais il ne m'en reste plus que quatre. Donc... on va faire avec 4. Et puis j'ai du pain, du houmous, du fromage. Voilà, je pense que ça nous fera un repas assez complet. On a un rayon de soleil, on voit toute la poussière sur la plaque de cuisson, c'est pas très grave. Voilà l'omelette une fois... Bon, là elle est en train de cuire quoi, j'allais dire une fois qu'elle est cuite, c'est pas encore tout à fait terminé. Donc les épinards, je les cuis à l'eau. Après, il faut bien les essorer parce que ça retient l'eau comme pas croyable. Donc il faut vraiment bien les essorer. Je mets une noisette de beurre dans la poêle. Je jette les épinards et après les 4 œufs battus par-dessus. Et on laisse cuire, je ne me rends pas compte, mais 5 bonnes minutes le temps que ça soit doré en dessous. Voilà, ça c'est un plat qui a beaucoup de succès à la maison. Si vous avez des enfants qui n'aiment pas les légumes, une fois que c'est mélangé à des œufs, je pense que c'est quand même plus simple. Nous, on n'a pas trop de soucis là à la maison, je mesure notre chance, mon dieu, d'avoir un enfant qui mange bien. Moi j'étais tellement pénible quand j'étais petite. Attends, il est où le bouchon? Donne, parce que là ça va couler. Bien sûr. Et attends, regarde ce que j'ai acheté. Un pour toi, un pour moi et un pour Paps. Je peux prendre un biscuit? Oui, merci. Un seul. Et c'est une fin de journée. Je suis devant mon ordinateur parce que demain c'est vendredi et Quentin va aller chercher le drive sur la route du retour du boulot. Et depuis quelques mois maintenant, on fait nos courses chez Leclerc. Je savais que Leclerc c'était fabuleux, sauf qu'on n'avait aucune possibilité de récupérer des courses chez Leclerc de façon simple autour de chez nous parce que le Leclerc d'Annecy ne fait pas de drive. Bon bref, je vous la fais simple et maintenant Quentin passe devant un drive Leclerc en rentrant du travail. Et les économies qu'on fait avec des produits qui sont meilleurs que toutes les autres marques distributeurs qu'on a pu tester jusqu'à présent, enfin c'est complètement hallucinant. On est sur un super partage des tâches parce qu'on fait la commande, on fait la liste ensemble, je fais la commande sur ordinateur et c'est Quentin qui la récupère sur chemin du retour du boulot. Et bah du coup j'aurai l'occasion de vous montrer ça demain en vlog, sachant que ce week-end on reçoit des amis le dimanche midi, donc il faut aussi que j'anticipe pour ce repas-là. C'est d'ailleurs un peu ce qui génère la commande parce qu'en réalité on n'a pas besoin de grand chose, des œufs notamment comme je vous ai dit ce midi il m'en reste plus, mais voilà on n'a pas non plus des quantités industrielles de trucs à racheter, donc je vais m'occuper de ça. Je vous invite à participer pour la Neroli Box numéro 4, toutes les conditions sont écrites sous la vidéo, lisez tout bien pour pas faire d'erreur. Donc si vous voulez remporter une box remplie de produits de beauté et que vous vous engagez à faire un don d'un minimum de 10€ à une association, bah écoutez, c'est à vous de jouer. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous dis à demain.